إذا مشاهدي شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمدينة سطات. كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدي شوف تي في، حضور السيد وزير التعليم العالي من أجل إعطاء انطلاق الموسم الجامعي الجديد 2022-2023 مشاهدينا. هذا الحضور ديال السيد الوزير بطبيعه الحال غادي يكون ذا طابع خاص، لانه اللي كيشرف مباشره على انطلاق الموسم الجامعي الجديد بجامعه الحسن الاول بمدينه سطات. كما كتشوفوا معنا حنا تفقد المدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير. Thank you.
بغيت نطلعوا لتما السي اللي انا غادي يوريكم او غادي كاينه قاعه غتكون كونفيرونس ان شاء الله. استاذ انا باش خصك تدخل ماشي ب 90 La jeunesse. Les étudiants sont les émotifs. إذا مشاهدي شوف تي في كيف ما كتشوفوا معنا فحنا في هذا البث الوطني للتجاره والتسيير بمدينه سطات. السيد الوزير التعليم العالي في هذه اللحظه كيلتقط صور تذكاريه مع السيد مدير المدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير وبعض المسؤولين المؤسسه. هيثم دوزاس يطروزاس
هيثم هيثم لازم نعم Il faut absolument voilà, redonner de l'espoir après pas plus de valeur. Je veux dire finalement sur 10 000 étudiants qui viennent en première année de l'année, que quand même bien récupérer 2 000 ou 3 000. Il y a un canal du ministre, il y a un canal aujourd'hui, notamment les passerelles, qui sont des passerelles d'ouverture entre les systèmes actionnaires et les systèmes réguliers. Et là, aujourd'hui, on est dans des équipes très réguliers. On est plutôt dans l'homéopathie. Mais moi, c'est juste la réflexion. Mais il faut qu'on arrive à voir quels sont les ONCG où il y a encore la marge. C'est soit la marge pour augmenter le nombre d'équipes, on a une forte demande, soit éventuellement de dire bah, tiens, on va avoir des ouvertures et à ce moment-là on va avoir des ONCG de taille de 400 000 qui vont nous permettre de respirer d'autant qu'il y a l'esprit grande école. Exact, exact. Et ça l'esprit grande école ben, ça ne donne pas. Il y a beaucoup de possibilités, il y a une culture en fait, il y a proximité entre enseignants et puis là il faut peut-être rappeler que dans l'espace où nous sommes, on partage l'espace avec la direction du sport. Là on est pratiquement à 4 000 personnes. D'accord. C'est vrai que ça va être la possible possibilité avec une logique de diversification pour ne pas refaire un peu formaté sur les étudiants, refaire les UQS. Ça, c'est un peu le problème. Alors, mais d'abord, on va ouvrir. Alors, on va ouvrir, il faut quand même qu'il y ait des notifications. Absolument qu'on arrive à donner aussi plus de temps. S'exprimer sur des sujets parce qu'on a les compétences, parce qu'on a le milieu socio-économique, parce que. Merci beaucoup. Aujourd'hui dans un champion national parce qu'on voit 350 même en mobilité, il faut rendre compte des fonds bilatérales. Et ça c'est enrichissant pour ça. Ça permet aussi justement d'apprendre sur le programme d'alternance et tous nos étudiants, parce que l'important choisit des fois l'alternance à l'étranger. D'être sur ce plan-là, l'alternance serait la bienvenue. C'est les jeunes d'abord aujourd'hui. Exactement, la majorité ne revient jamais. C'est ça qu'il faut arriver à peut-être que la mobilité soit faite à un moment au milieu. Exact. Ah oui, parce que finalement, il y a une compétition sur les jeunes. Internationale. Merci beaucoup. Merci. Là, c'est la grande.